Et parmi tous les dossiers qui sont à aborder dans le cadre d'un CEVU, quel est celui qui te tient le plus à cœur? C'est assez simple de répondre comme ça, parce qu'il y a un seul dossier que j'aimerais vraiment réussir, même si on a plein d'autres, c'est le mi-quinquennal. Donc le mi-quinquennal, pourquoi? Parce que ça a été un passage très très difficile, une élaboration longue, avec énormément d'efforts demandés à tous les personnels et les enseignants-chercheurs. Et en fait, là, effectivement, avec la dernière lettre de cadrage, nous avons réussi, je dirais, à décentraliser la prise de décision. Nous avons réussi à ce que chaque équipe de formation, département et UFR travaillent ensemble pour trouver des solutions pour ce recalibrage. Je ne dis pas qu'il n'a pas été douloureux, mais il a été fait, il me semble, d'une façon juste et en concertation et en écoutant tout le monde. Hélène Velasco, tu as dit que l'une des grandes richesses de l'Université Bordeaux 3, c'est dans sa diversité qu'on la trouve. Alors diversité, bien sûr, hein, du fait de nos nombreux champs disciplinaires. Alors souvent, on craint, quand on parle de diversité, d'un éparpillement. Et je crois qu'on a déjà commencé à en faire une richesse. Et c'est pour ça que ce que nous proposons aussi, c'est d'aller vers plus de décentralisation, vers les UFR, mais aussi vers les départements. Alors pourquoi de la décentralisation? Eh bien, parce qu'on a une communauté large avec différents groupes et ça permet de faire remonter toutes les idées des enseignants-chercheurs, bien sûr, mais aussi du personnel BIATOS, mais aussi et bien sûr des étudiants. Guillaume Leblanc, tu es professeur de philosophie à Bordeaux 3 et tu as émis l'hypothèse de travailler sur la création d'un institut de la pensée contemporaine. Je voudrais effectivement créer un institut de la pensée contemporaine à l'Université de Bordeaux 3. En vue de fédérer ce qui existe déjà. Nous avons une recherche d'une extraordinaire qualité à Bordeaux 3 et nous devons, je crois, la rendre plus visible à l'extérieur. Et c'est un peu dans cette optique que je voudrais lancer un institut de la sorte, où il s'agirait, au fond, de nicher dans cet institut tout un ensemble de recherches qui existent déjà, en vue aussi de coopération nationale et internationale avec d'autres instituts. La priorité pour un président, c'est d'assurer la stabilité, la solidité de toute une communauté qui comprend des enseignants, bien sûr, mais aussi du personnel administratif et bien sûr des étudiants, naturellement. Ça, c'est la priorité, je crois, principale, du président. C'est aussi, en second lieu, de porter la voix de l'université en dehors, des lieux Bordeaux 3, c'est-à-dire dans la cité, sur le site bordelais. Et également au niveau de la conférence des présidents d'université, de toutes les instances, y compris évidemment et surtout, j'allais dire, le ministère auprès de qui il faut sans cesse intercéder, intervenir pour que notre université se voie reconnue les moyens humains, financiers, qui lui permettent de vivre, de fonctionner et de travailler dans des conditions les meilleures possibles pour tous.